Et salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors c'est une petite vidéo particulière, c'est pas du gaming, c'est pas un coup de gueule, enfin c'est pas, non c'est pas vraiment un coup de gueule. C'est juste que j'aimerais remettre un petit peu les choses dans leur contexte par rapport à une chose que j'aimerais éclaircir parce que je pense que ce soit les youtubeurs en général, pour surtout les nouveaux youtubeurs, ceux qui n'ont pas encore trop d'expérience, soit ils ne le savent pas, ou soit ils savent pas tout, soit ils le savent mais ils s'en rappellent plus, ou alors ils le savent et ils n'en ont rien à cirer. Il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, il y a des choses qu'il faut bien comprendre. C'est comment fonctionne YouTube. Parce que vous, les abonnés, vous êtes le pilier, vous êtes un des piliers des chaînes YouTube. Sans vous, les abonnés, sans vous, les viewers, une chaîne YouTube n'existe pas. Elle ne peut pas avancer. Mais il faut bien comprendre une chose. Je ne sais pas si tous les abonnés, tous les viewers, tous les youtubeurs savent comment réellement fonctionne YouTube. Comment est référencée une vidéo? Il faut bien savoir que dans chacune des vidéos, généralement, les youtubeurs terminent toujours par n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications, de liker, donc le pouce bleu, le commentaire, qui fait toujours plaisir, mais il est aussi quand même, il est aussi utile. Et voilà. Sauf que il y a des choses que. Et vous pensez à bien, vous pensez pas à mal. C'est très louable entre youtubeurs de s'entraider. Tant que c'est pas dans du sub for sub. Mais à un moment donné, il faut bien comprendre que le commentaire, on va prendre dans l'ordre, entre guillemets, pas de priorité, mais. Ce qui va vraiment compter du moins important au plus important sur une chaîne YouTube. Le moins important qui compte dans le référencement d'une chaîne, le référencement d'une vidéo, c'est le commentaire. Une vidéo qui a zéro commentaire sera moins bien référencée qu'une vidéo qui va avoir 200 commentaires. Ça, voilà. Mais c'est pas ce qui va être le plus déterminant pour le référencement de cette vidéo. Derrière, vous avez le pouce bleu. On sait que, par exemple, sur les lives YouTube, plus vous mettez de likes, plus vous mettez de pouces bleus, et plus le live va être référencé. Donc, un live où vous allez poster des messages, où vous allez mettre des pouces bleus, c'est clair, c'est un live qui va être le mieux référencé et si les tags sont bien mis, ça devrait pouvoir générer du monde. C'est pour ça que. Mais après, voilà, c'est clair que quand vous comparez au même instant, vous avez un gros youtubeur qui va avoir 200 pouces bleus et vous allez avoir 10 pouces bleus. Bah, en fait, c'est simple, hein. Tous ceux qui vont avoir largement plus de pouces bleus que vous vont forcément être mieux référencés que vous. Donc forcément, vous vous retrouvez quelque part un petit peu la cinquième roue du carrosse. Bon, ça, après, c'est pour les... Ça, c'est live, c'est encore autre chose. Mais voilà, sur une vidéo, voilà, le pouce bleu va aider à référencer votre vidéo. Mais c'est pas ça non plus qui va être le plus déterminant sur la vidéo. Alors, vous allez avoir le nombre de vues. Vous allez avoir le nombre de vues. C'est vrai que une chaîne qui va avoir beaucoup de vues par rapport à une chaîne qui va avoir peu de vues, bien évidemment, aura plus de chances d'être bien référencée que l'autre. Une vidéo qui aura beaucoup de vues sera toujours mieux référencée qu'une vidéo qui a moins de vues, qui a peu de vues. Tout ça, c'est de la logique. C'est sûr qu'une vidéo qui va avoir beaucoup de vues, beaucoup de pouces bleus, beaucoup de commentaires, automatiquement va se retrouver plus facilement dans le haut du panier
qu'une vidéo qui va avoir peu de vues, peu de pouces bleus, peu de commentaires. Voilà. Mais après, voilà, c'est mécanique. Mais malheureusement, le nombre de vues n'est pas ce qui est le plus déterminant. N'est pas ce qui est le plus déterminant. Il y a une chose que beaucoup de youtubeurs et les abonnés, les viewers en général, vous n'en avez pas conscience, ou vous le savez, après vous en avez rien à faire, ou alors vous n'aviez pas forcément l'information, ou vous n'avez pas forcément donné la bonne information. Au-delà, pareil, du nombre d'abonnés, le nombre d'abonnés, plus vous avez d'abonnés sur une chaîne, et plus pareil, votre chaîne a de chances d'être référencée qu'une chaîne, voilà, quelqu'un qui va avoir 100 abonnés aura plus de chances d'être mieux référencé qu'une chaîne qui va avoir que 10 abonnés. Et c'est pareil pour quelqu'un qui va avoir plus de 1000 abonnés, sera mieux référencé et aura plus de chances de faire des vues qu'une chaîne qui a que 100 abonnés. C'est pareil, c'est mécanique. Mais encore une fois, c'est pas tout ça qui est le plus important. Malheureusement, et c'est quelque chose qui, à mon avis, que tout le monde n'a pas conscience. Et je vais faire une petite digression. Alors, vous chercherez dans le dictionnaire ce que veut dire le mot digression. Comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, au moins, je vous aurais appris un mot. Ce qui est pas, c'est pas comme, c'est pas forcément commun dans une vidéo. Surtout sur ce type de vidéo. Donc voilà, petite digression. Sur la durée des vidéos. J'ai remarqué sur certains groupes Facebook où on se posait la question et après les avis divergent sur la durée d'une vidéo. Là où moi je ne suis pas d'accord, c'est quand on me dit oui, sur YouTube, ce qui fonctionne le mieux, c'est les vidéos courtes. Alors oui, c'est vrai que quand vous êtes un gros youtubeur, petite vidéo, vidéo courte, vidéo longue, de toutes les manières, vous aurez assez de viewers, d'abonnés pour faire des vues et générer de l'argent pour à partir du moment où vous monétisez vos vidéos. Mais là où je ne suis pas d'accord, sur la durée et du fait qu'il faut faire des petites vidéos, déjà, si vous faites des let's play, c'est compliqué de faire des vidéos d'un quart d'heure, 10 minutes. Faire un let's play, vous prenez un jeu comme Skyrim, vous faites des vidéos de 10 minutes, vous finissez le jeu, vous êtes à l'épisode 1200. À un moment donné, vous en avez peut-être un petit peu marre. Vous en avez peut-être un petit peu marre. Donc les vidéos de let's play, vous ne pouvez pas faire moins d'une demi-heure. Général. On est entre une demi-heure, trois quarts d'heure, maximum 1 heure. Et là où je ne suis pas d'accord avec certaines personnes sur la durée des vidéos, c'est que vous, les viewers, mais tous, hein, je parle pour tout le monde, vous êtes capable d'aller dans un site, de payer votre place dans un cinéma, de vous poser dans le siège et de rester 2 heures et demie affalé dans votre fauteuil à regarder votre film avec votre popcorn. Pour que vous ayez du pop-up. Là, on n'est pas sur une vidéo de 10 minutes. Quand vous regardez la télé, vous avez très rarement des émissions qui vont durer 10-15 minutes. La majorité des émissions vont durer minimum une demi-heure et maximum après, ça peut être plus, mais en plusieurs parties, mais généralement, on est sur des vidéos qui oscillent entre 30 minutes et 2 heures. Donc, et ça, ce temps-là, vous le prenez. Donc, qu'on vienne pas me dire que vous ne pouvez pas passer plus de 10 minutes sur YouTube. Alors, on va me dire, ouais, mais j'ai plein de YouTubeurs à voir et tout. Bah, à un moment donné, c'est bien beau de s'abonner à 36 millions de YouTubeurs. C'est bien beau de s'abonner à 36 millions de YouTubeurs. Mais derrière, on sait bien que chacun, quand on regarde les habitudes des gens, on a tous 2-3 chaînes qu'on va regarder et le reste, on les oublie. Elles n'existent pas. Même si de temps en temps, on peut zapper et tout. On sait très bien que maintenant, avec les box internet, on est abonné à je ne sais pas combien de chaînes
Et pourtant, ces chaînes-là, on va pas forcément y aller. Parce que bah, on y est abonné. On sait qu'on a la possibilité. On va y faire le tour vite fait de temps en temps parce qu'il y a un truc intéressant qui va nous intéresser. Mais voilà. Donc on se focalise sur les vidéos, enfin sur les chaînes qu'on a vraiment envie de voir. Et les chaînes sur lesquelles qu'on a envie de voir, on n'en a rien à faire que l'émission elle dure 30 minutes ou 2 heures. On le regarde parce qu'on a vraiment envie de le regarder. Donc c'est encore une fois une question d'organisation. Et vous ne pouvez pas vous abonner à, non plus à la Terre entière. Vous ne pouvez pas non plus vous abonner à la Terre entière. C'est pas possible. Donc moi le conseil que je donne c'est aussi de faire un petit peu le choix. On peut pas être ami avec tout le monde, on peut pas. C'est bien beau l'entraide, mais à un moment donné ça c'est limite. On peut pas pour YouTube, ça c'est limite. On peut pas s'entraider avec tout le monde. On ne peut pas s'entraider avec tout le monde. On peut pas. On peut pas se dédou Il faudrait pouvoir se dédoubler se dédoubler. Voilà, on fait comme dans Naruto, un Kakebushi no Jutsu et boum, hop. Et on peut être partout à la fois. Mais voilà, c'est pas possible. Mais voilà, quand on me dit, ouais, mais je peux pas rien. Eh, les gens, vous êtes pas sérieux. Vous êtes pas sérieux, vous êtes même pas honnête avec vous-même. Vous êtes capable de passer. Franchement, vous vous abonnez à Netflix. Généralement, sur Netflix, les vidéos, ça va être quoi? 40 minutes, 1 heure? 1 heure, l'épisode de vos séries préférées. Donc me dites pas que votre let's play préféré, vous ne pouvez pas y passer 45 minutes à chaque fois. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait cette digression sur ça? C'est pour en revenir à ce qui pour moi est le pilier et le nerf de la guerre sur YouTube. C'est le temps de visionnage des vidéos. Et ce qu'on appelle le taux de rétention. Le temps de visionnage, c'est tout simplement, vous avez une vidéo qui dure une demi-heure, si vous avez un taux de visionnage, si vous avez un temps de visionnage de une minute, ça veut dire que la personne qui a regardé votre vidéo, elle est comptabilisée comme une vue, mais elle ne représente qu'une minute sur 29 de votre vidéo. Bah, je suis désolé. Je suis désolé les gens, mais même si vous voulez franchement ouais, même si franchement on est dans l'entraide tout ça, ouais, je suis là pour soutenir et tout, ouais non mais le problème c'est que votre soutien il sert à rien, enfin il sert à rien, il est très limité, il est très limité parce que le problème c'est que YouTube ne comptabilise pas les vues, eux ils comptabilisent en minutes de visionnage, en heures de visionnage. Donc, si vous regardez une minute d'une vidéo de 30 minutes, c'est encore pire quand c'est une vidéo d'une heure, votre soutien, il sert à rien. Malheureusement, enfin, pas qu'il sert à rien, mais il est très limité. Et le taux de rétention, c'est la moyenne, enfin, c'est le calcul entre le nombre de vues qu'il y a sur la vidéo et le temps de visionnage complet de l'ensemble de ceux qui ont regardé. Et du coup, ça donne à peu près la moyenne. Une moyenne une moyenne de chaque vue de ce que chaque vue représente en temps de visionnage. Si le taux de rétention représente 1%, bah, je suis désolé, mais votre soutien il est pareil, il est limité. Il est limité. Donc dites-vous bien aujourd'hui que regardez une vidéo. Sans aller au bout de la vidéo, malheureusement, ça sert pas à grand chose. Alors certes, vous allez quand même faire une vue, vous allez mettre votre pouce, vous allez mettre votre commentaire, c'est quand même une minute. Je rappellerai quand même que pour celles et ceux qui veulent monétiser leur vidéo, au-delà des 1000 abonnés, YouTube demande 4000 heures de visionnage sur 365 jours, ce qui représente 210 000 minutes. Vous m'avez bien entendu, 210 000 minutes. On fait comment sur un an quand les gens vous ne regardez qu'une minute d'une vidéo? Ouais, je te soutiens.
Bah ouais, mais non, ton soutien, c'est gentil, hein, c'est gentil, ça part d'une bonne, ça part d'un bon sentiment. Je suis pas en train de cracher, je suis pas en train de cracher. Attention, que les choses soient bien claires. Je ne suis pas en train de cracher sur les gens qui me soutiennent. De quelque manière que ce soit, je ne cracherai jamais sur le soutien qui m'est fait. Que les choses soient bien claires. Maintenant, je veux que vous preniez conscience de la limite que vous apportez par rapport à, par le biais de votre aide. C'est bien, franchement, les likes, les commentaires, les vues, ça aide au référencement des vidéos, ça aide au référencement de la chaîne. Mais pareil, mais ce qui va compter, le plus, mais pour le référencement d'une chaîne et des vidéos, c'est le temps de visionnage. Si vous avez une vidéo, ok, qui a 100 000 vues, qui a 100 000 vues, mais derrière vous avez un temps de visionnage au rabais, bah, qu'est-ce que YouTube va se dire? Ok, le gars, il a fait une vidéo, ah ouais, elle a fait 1 000 vues, elle a fait 1 000 vues. Mais à côté de ça, la vidéo a fait 30 minutes et ça représente que 1%. Le taux de visionnage représente que 1%, le taux de rétention représente à 1%. Donc c'est que sa vidéo, voilà, elle a pas. Comment est-ce que vous voulez qu'on mette en avant une vidéo qui a un taux de rétention d'audience d'1% par rapport à une vidéo qui va avoir 50, 40, 50, 60% de taux de rétention? Eh oui, les gens. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Donc les abonnés, les viewers, quand vous appréciez un contenu, regardez-le jusqu'au bout. Si vous voulez vraiment soutenir les youtubeurs, il faut regarder les vidéos jusqu'au bout. Une vidéo elle fait 30 minutes, il faut regarder au maximum de la vidéo. Pas juste 30 secondes, juste 1 minute pour dire ouais, tiens, t'as vu. D'autant plus pour les youtubeurs, les amis, les gars. Ce que vous faites, c'est cool, c'est super, franchement, de soutenir. De soutenir. Mais c'est pas possible. Et là, par contre, je vais pointer du doigt quelque chose. Et ça m'embête un peu de le faire. Mais parce que, voilà, comme j'ai dit, je ne cracherai pas sur le soutien. Mais quand je vois des commentaires, GG ta vidéo, super ta vidéo, je vois le temps de visionnage. Ma vidéo fait 58 minutes. Je regarde le temps de visionnage. 6 minutes. Si la vidéo avait vraiment été vue, j'aurais au moins une cinquantaine de minutes sur la vidéo. Donc, comment on peut dire GG ta vidéo, super ta vidéo. Gars, t'as pas regardé. T'as même pas regardé un tiers de la vidéo. Donc, merci pour ton soutien. Merci pour votre soutien. Maintenant, votre soutien, il est extrêmement limité. Il est extrêmement limité. Alors je le répète, je comprends, voilà, on peut pas regarder tout le monde. J'ai déjà eu cet argument-là. Je le comprends, je le conçois. Maintenant, je vais être clair. Maintenant, je vais être clair. En règle générale, parce que bon, y a des chaînes où je suis abonné et je passe pas trop parce que bah, il y a des trucs qui m'ont plu, que j'ai déjà peut-être d'avoir déjà vu. Et du coup, le nouveau contenu m'intéresse pas plus que ça, mais bon. Mais on va dire, dans 75% des chaînes où je suis abonné, 100% des vidéos, je les regarde du début jusqu'à la fin. Donc, si moi j'en suis capable, vous en êtes tous capables. Donc, désolé, désolé franchement d'avoir dû faire cette vidéo et désolé si vous pensez que voilà, je vous tape un petit peu sur les doigts. C'est pas pour taper sur les doigts, c'est juste qu'à un moment donné, vous faire prendre conscience
vous faire prendre conscience, d'autant plus si vous aussi vous êtes youtubeur, et même si vous ne cherchez pas à monétiser vos vidéos. Et je comprends, y a des potos youtubeurs, ils sont un petit peu désabusés, ils proposent moins de contenu parce que bah ils voient que leur nombre d'abonnés stagne, ils voient que bah, ils ont plus autant de vues qu'avant. Mais à un moment donné, je veux dire, vous pouvez pas grandir, vous pouvez pas grandir, et vous pouvez pas, les viewers, les abonnés, ça, vous pouvez pas faire grandir une chaîne si derrière vous n'y mettez pas du vôtre, si vous ne vous investissez pas. Et votre investissement, il est tout simple. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Alors vous savez, j'ai un truc très simple, hein. J'ai une astuce que je peux vous donner. J'ai une astuce que je peux vous donner et qui fonctionne très bien. Vous avez une fonction dans YouTube qui permet de mettre dans une playlist à regarder plus tard. Rien ne vous empêche de mettre des vidéos de plusieurs YouTubeurs dans cette playlist et de lancer cette playlist. Et pendant ce temps-là, bah, vous faites autre chose. Vous êtes sur votre télé, sur votre canapé, en train de zapper, ou vous jouez à votre jeu sur votre console, ou vous êtes en train de faire la cuisine, vous êtes en train de faire la cuisine, tout ça, voilà. Et bah vous lancez, quitte à voilà, vous coupez le son, vous coupez le son, et vous laissez tourner la vidéo. Vous ne vous imaginez pas le bien que vous ferez à tous les youtubeurs que vous soutenez. Vous ne vous imaginez pas le bien que vous leur ferez et l'aide extraordinaire que vous leur apporterez, bien plus que le simple fait d'avoir la vue, le pouce bleu, le commentaire et le fait d'être abonné. C'est con à dire. C'est con à dire. Mais réfléchissez à ça. Aujourd'hui, un viewer non abonné qui va regarder une vidéo qui fait 30 minutes du début jusqu'à la fin, même s'il met pas de pouce bleu, même s'il met pas de commentaire, aura plus d'impact sur vos chaînes qu'une personne qui est abonnée, met un coms, met un pouce bleu, laisse une vue, mais sur une vidéo de 30 minutes va regarder 30 secondes. Eh oui, un viewer non abonné qui va regarder une vidéo du début jusqu'à la fin apportera plus à votre chaîne qu'une personne abonnée qui fera tout ce qu'on demande généralement en fin de vidéo. Donc réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Si vous aimez les contenus de YouTubeurs dont vous êtes abonné, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à ces personnes-là. C'est le plus gros soutien que vous pouvez leur faire. Regardez les vidéos jusqu'au bout. Je ne vais pas vous retenir plus parce que ça ne sert à rien d'épiloguer pendant des heures. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Pour celles et ceux qui ne le seraient pas, abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications pour être sûr d'être au courant des nouvelles vidéos et des nouveaux lives. Et puis, bien évidemment, n'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien. N'oubliez pas votre masque. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye.